Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen pwoblèm. E pi ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak joua, m santi chaj pwoblèm mwen yo soti sou dom. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de Radio Télévision d'Espoir? Radio Vision d'Espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Deutéronome chapitre 10. La protection et l'amour de Dieu pour Israël, source de crainte et d'obéissance. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Be'eroth Bene, Jekam pour Mosera. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Josbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Je restai sur la montagne, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père
de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne redirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Deutéronome chapitre 11. La bénédiction et la malédiction. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants. Les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars. Comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'ils vous poursuivaient, et les a détruits pour toujours. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Éliad, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui broie les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu,
a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasiras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ebal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgad, près des chênes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi.
mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lis. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lis. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galahad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 24 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendue au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les greniers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de cœur? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lits. Tes deux seins sont comme deux pharons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Dama. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable. Ô mon amour, au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Amen. Romains, chapitre 1. Adresse et salutations.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amour de Paul pour les chrétiens de Rome, son désir d'aller les voir. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. La justice par la foi, sujet de l'Épître. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. État de péché et de condamnation de l'humanité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour connaître des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui les font. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.